PEGI 3. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des pronos de Ligue 1 par FIFA 12. Une vidéo consacrée cette semaine aux rencontres de la 22e journée de la Ligue 1 et en ligne de mire le choc entre les deux Olympiques, l'Olympique de Marseille qui reçoit l'Olympique Lyonnais pour ce qu'on appelle aujourd'hui bien l'Olympico. Ces deux équipes font partie du haut du classement et auront forcément à cœur de réaliser un résultat dans cette rencontre. Et ce sont les Marseillais qui vont donner le coup d'envoi. Et le début de match va mettre un petit peu de temps à partir. Et les Lyonnais vont se procurer la première occasion avec Michel Bastos, la frappe. Et ça termine sur la barre transversale. Quelle énorme occasion pour les Lyonnais. Et les Lyonnais qui continuent de dominer ce début de match avec Lopez qui va réussir à retrouver Gomis. Attention, et son tir qui frôle le montant. À très grosse occasion encore une fois pour les Lyonnais. La réponse des Marseillais avec Cherou qui va réussir à retrouver Valbuena. Et il faut une bonne parade du Goloris. De nouveau les Marseillais avec Caboret. Le bon travail de Caboret, attention, avec Valbuena dans la surface et ça fait 1-0 à l'ouverture du score ici au Vélodrome sur cet excellent travail de Caboret qui va réussir à donner ce très bon ballon à Valbuena qui ouvre le score pour les Marseillais. La réponse des Lyonnais, peut-être 41e minute de jeu. Les Lyonnais qui sont dans le camp des Marseillais. Gourcuff qui va décaler Karlström. Oh quel but! Oh but fantastique de Kim Karlström sur cette frappe magistrale qui vient terminer sa course au fond des filets et ça fait un but partout. Dernière occasion de cette première mi-temps, peut-être avec les Marseillais. On va retrouver Caboret de nouveau vers Loïc Rémy et son tir est contré. Et l'arbitre qui siffle la mi-temps sur ce score de 1 partout. Excellente première mi-temps, mais pour l'instant, eh bien, pas de vainqueur dans cet Olympico. 1 partout entre l'OM et l'OL. La deuxième mi-temps est repartie. On espère sur les mêmes bases que la première, avec une première occasion peut-être pour Loïc Rémy dans la surface. Attention à Rémy et la bonne parade encore une fois du Goloris face à l'attaquant international. Les Lyonnais qui repartent avec Lopez. Attention à Alessandro Lopez dans la surface de réparation. Il va trouver Michel Bastos. Oui, sa frappe qui passe à côté. Grosse occasion encore une fois pour les Lyonnais. La réponse marseillaise. On rentre dans le dernier quart d'heure avec Caboret. Attention, oh quel festival! Et ça finit juste à côté à sa mérité. Peut-être mieux. Très très bon travail de Caboret. Attention à cette faute sur Gomis qui va peut-être jouer rapidement ce coup franc. Oui, c'est bien joué. Attention à Ederson. L'occasion. Oh, ça passe à côté. Quelle incroyable occasion pour Ederson qui n'a pas cadrer cette frappe. On rentre dans les tout derniers instants de cette rencontre avec peut-être les Lyonnais, la remise de la tête. Attention, Bastos, ça s'est dégagé et on est presque dans la continuité au bout des arrêts de jeu avec les Marseillais pour peut-être la balle de match. Attention, et c'est le but. Oh, incroyable, dans les tout dernières secondes, le centre de Valbuena qui trouve Alou Diarra seul au point de pénalty. Et finalement, ce sont les Marseillais qui ont forcé la décision et qui remportent cet Olympico de Buza. Et je vous propose tout de suite, eh bien, de retrouver le résumé des autres rencontres de cette 22e journée.